Bon, du coup, première chose qui va rendre ma game un petit peu plus simple, c'est qu'ils sont full AD, donc ça c'est pas une mauvaise chose. Après, du coup, est-ce que c'est un Wukong mid? Ouais, je pense que c'est un Wukong mid et un Trinda top quand même. Parce que genre Trinda mid avec, avec Point de l'Immortel, je sais pas si c'est si insane que ça. Donc voilà, genre le fait qu'ils soient full AD, ça rend ma game un peu plus simple. Ils ont un Warwick jungle, bon ça c'est un peu chiant. Parce que genre si le mec décide de me full camp une fois qu'il est 6, je pourrais pas y faire Nemas. Ok. Voir comment la phase de lane se passe. Riot va-t-il enlever le dévoreur? Apparemment, enfin ils vont pas l'enlever, enfin ils vont mettre un nouveau genre de dévoreur qui ressemblera un peu plus à la... Comment ça s'appelait déjà? Fuck. Bref, ça fera des dégâts en fonction des PV max. Les PV max de ton adversaire, il n'y aura pas un système de stacking. J'hésite à... Bon, on va jouer la lane. Yoke lane. Plop. Et honnêtement, alors donc pour revenir à la question sur Riot, je préfère genre faire Shin first plutôt que Phage. Phage c'est plutôt le choix safe, alors que Shin tu peux vraiment essayer de tourner la lane et créer des plays, donc forcément c'est plus intéressant. Après il y a des match-ups où t'as besoin de la Phage. Le Razor de Madrid, voilà, merci, c'est ça le nom que j'ai cherché. Alors du coup, tac, tac, tac. Hop. Living in this world, we are governed by the clock. Minions have spawned. They say time is money. We are not living our true purpose. C'est une bonne idée de max le E pour Irelia dans les matchups difficiles. Ah ouais, vraiment, si tu te fais vraiment victimiser et que t'as du mal à trouver tes marques, genre max le E c'est pas forcément une mauvaise idée. Parce que du coup ça va augmenter la durée du stun et ça va te laisser plus d'espace pour du coup aller chercher des creeps que t'aurais pas eu normalement sans trop te faire punir. Nerf de la pointe, il la rend useless ou ça reste fort? Non, ça reste fort. Juste moins fort qu'avant. Ah, c'est vous con... Ok, c'est vous con top. Ok. C'était inattendu ça. Du coup j'aurais peut-être dû start potion de corruption. Je sais pas. C'est pas très grave. Oh sérieux man. Focus des creeps quoi. Mais stop. Putain, je viens de rater deux creeps comme un pur casse-masse quoi. Ouais, je crois que ce creep était pas très worth it pour lui. Oh mais come on, fais un effort Kaelan. Full tilt. Je viens de rater genre 8 creeps en fait. Dans le plus grand des calmes. Mais... Et maintenant je me fais creep block. Je me fais creep block et ça m'oblige à forcer les... Oh mon dieu. Aider. Bon après vu qu'on a... Ok. Il a bien joué avec son clone, putain. Bon, faut que je fasse gaffe parce que je vais prendre un gros burst avec le Tenderlord. Après, ce qui est bien, c'est que ça push pour moi, juste à tempo. Et ça va push tranquillement. Oh, t'es chiant, toi, un peu.
Ouais, j'ai pas envie de retourner là-dedans. Ça, c'était obligé. Oh fuck. J'aurais peut-être pu le stun. Ouais, je sais pas. Ouais, je savais qu'il allait faire le plays, mais j'étais pas, fuck, j'étais pas assez confiant. Je pense que j'aurais eu le temps de placer le stun. C'est my bad. Mal joué là-dessus. Je pense que j'avais le temps de placer le stun. Et ouais, mec. Ça, il avait pas vu. Hein, hein? Qu'est-ce que tu... Ok. Ah, fait chier. Je suis sûr à 100% que j'aurais pu le stun et le play et le tuer. Et elle tuait sur son sur sa tentative. Trop trop mal joué. Et le plus j'y repense, le plus je me dis que j'ai mal joué. Oh mais. Il a été vu, fais gaffe derrière toi. Non, casse-toi s'il te plaît. Pas besoin que tu me gank, farm et fais ta vie, j'ai pas besoin de. Je devrais avoir genre 50 CS là. Là maintenant, je vais avoir 50 CS. C'est un peu chiant. Come on, man. Ah! J'aimerais tellement avoir ma TP là. Là maintenant. Si j'ai jamais TP, putain. Ouais, par contre, il est très squishy. Il fait des dégâts, mais il est très très squishy. Et il a pas de mass sustain. Bon, moi j'ai double Doran et mon W à quelques rangs, donc j'ai beaucoup de sustain. Oh mais vous avez vu genre les. C'est la deuxième fois que ça m'arrive. Je rate un creep parce que je me fais creep block salement. Je vais faire des micro pas sur les côtés et je rate le creep. Ok, c'est le fun. Oula. Je sais pas trop ce qui s'est passé au mine, mais. On va aller voir si Warwick il est reparti en bluff. Ok, no. S'il y avait Quinter le premier raid de premier bleu nocturne, et en voyant Nocturne mourir, je me suis dit, il y a moyen que le Warwick soit allé chercher le bleu. Ouais, ce qui me fait chier, c'est que j'ai genre zéro info sur Warwick. Après, vu qu'il a fait un gank mid il y a pas longtemps, je pense qu'il a pas d'ulti. On va voir s'il est back complètement. Ok, nice. Je vais avoir l'avantage du TP du coup. Il va revenir en line avec la TP.
C'est ambitieux ça. Ouais. Salut toi. La mana s'il te plaît, 50 de mana. Je demande 5 de mana de plus. Ce matin j'ai un sacré manque de réussite, c'est chiant. Et cette fois-ci j'ai pas de ward derrière lui pour aller le défoncer. Je vais TP, je vais pas rater tout ça. Man, il a pris les dégâts, pute. Oh. Oh. Allez, Kael là-dedans. Tout petit peu de réussite, s'il te plaît. Yeah, nice, good job. Okay. Bon, on va garantir qu'ils sont secure on rake. Parce que voilà, Trina pouvait décaler. Trina ne décalera pas et on va retourner au top. Bon, lui il est tellement squishy, c'est insane. Ok. Ouais, fais chier, je peux. Je joue trop safe. Et je joue trop safe, trop reculé surtout. Rien nocturne, il y a bientôt l'ulti, on peut peut-être faire un truc en top lane. On sait pas trop où est Warwick. C'est un peu embêtant. Warwick est bot. Je peux pas mettre TP quoi, fuck. Ok, ils ont swap. Il y en est où au niveau du stuff? Il y a des mercs. Ok. Je vais pas back, hein. Ça me sert à rien de back là maintenant. Dommage. Il va faire des conneries, je sens. Ah j'ai peur du Warwick top. Ah. Encore là, c'est un timing où... En gros, si le jungler est top, et que là, moi j'ai pas de réaction de ma team, on est pas bien. On va se heal tranquillement. Voilà. Et j'aurais essayé, hein. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse de plus? Ah, donnez-moi une team. Putain de merde. 3 games d'affilée. Faudrait essayer de se foutre de moi. Pfff. Et ulted.
Donnez-moi une équipe, merde! Allez! Il a pas de flash, pas d'ulti! Tu peux le faire, Nocturne! Ouf, God bless, quoi. Je peux TP si jamais ça part en vrille au mid. Allez, une auto! Prends sa full spell shield! C'est fort, putain. Allez, MF. Non, dommage. Note MF. On va récupérer le farmbot. Allez, team. Allez, team, on va y arriver. On va y arriver, on va y arriver. Let's go. Non, 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 ça c'est à moi. On a la Trinité, ça c'est cool. Garder une pink avec nous. On prend une trinquette. On va clear le top. Bon, je vais clear le top et pendant que je clear top, j'espère qu'ils vont pas se faire surprendre par Wukong. On va mettre une blue trinket ici. Ça, ils le verront venir. Ouais, juste voilà, c'est parfait. Les pinks qu'il y a là, c'est parfait. Ok. Non, 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 s'il vous plaît, fightez pas. Je vous en supplie, fightez pas. C'est parfait, c'est bon. Back Brom, mais c'est parfait. Brom, s'il te plaît, back. Putain. Oh, nice. Joli ça. J'ai cru qu'ils allaient ignorer le Warwick et me laisser mourir comme un sale. Nice! Bien joué, tiens. Bon, au final, ils s'en sortent bien. Même si c'était très greedy de leur part, ils s'en sortent. Et on va prendre le Drake derrière. MF, elle aura récupéré beaucoup de farmbot. C'est cool. Non, non, non. Ça, c'est ça. Parce qu'en fait, le truc, c'est qu'ils TP dans notre dos et on se fait tous tuer en fait. Ils ont double TP, c'est trop risqué d'aller pusher la T2. Ils auraient pas de TP, on aurait pu. Mais là c'est trop risqué. Quel Drake, normalement ils ont pas le temps d'y répondre. Parce qu'ils ont pas, ils peuvent pas avoir de ward dans notre dos à ce niveau là en fait. Alors que là si on pushait sur la T2 c'était beaucoup plus probable. C'est sûr que le Brom peut s'en sortir. Ok, nice. Bonne OP ça. Le Wukong il va vouloir venir pour la MF. Ok, quoi, il est parti direct au Red Buff. Putain, merde. Il enterre le respect lui. Je veux m'assurer qu'il l'est pas en fait. C'est pas que je veux le deny à MF, je veux juste m'assurer que eux le KS pas en fait. Ok, je vais les top. Après ce qui est bien c'est que maintenant j'ai un. C'est que j'ai un red buff et donc du coup en 1v1 je vais casser tout le monde. Brom, toi va au mid.
T'as pas à l'étap, mate. C'est pas ton taf. Trina, y'a moyen qu'il force le bleu. Je peux intervenir. Ok. Non, oh, il va. Pareil, c'est Tokyo. Trindavat, je vais juste continuer à gérer le Trinda, moi. Parce qu'en 1v1, je le tiens facilement. Tant qu'il a pas son Phantom de Sœur, quand il aura son Phantom de Sœur, ce sera différent. Pour l'instant, j'ai un red buff. Ouais. C'est qu'il faut un double speed push et j'ai besoin que ma team réagisse un minimum à ce niveau-là. Je peux pas tenir Wukong plus Trinder speed push. Les deux chacun d'un côté, c'est trop complexe. Ok, nice, il le casse. Je vois ça. Oh putain, c'était close. Le blanc est mort, je pense. Ok, non, ça passe. Ok, non, ça passe pas du tout. Ok, nice. Oh, s'il te plaît, quoi. Pas la range. Mais j'ai pas le W, je peux pas aller le chercher, quoi. Je suis deg. Je pensais pas qu'il avait son flash, en fait. Du coup, j'ai très mal joué le move. C'est my bad. Et la mère est censée mourir. On va pouvoir récupérer une tour là-dessus, c'est bien. C'est bon, c'est my bad. Ah merde. Oh, sérieux quoi? On va peut-être pas tanker les tours. On n'est pas encore là. Tiens. Pourquoi on push pas? Push pas! Donc voilà, genre Trina, c'est pas un problème, les gars. Pourquoi on n'a pas push cette tour, putain? Ah. Oh. Ils sont agaçants. Oh mais... Fous-moi la paix. Mon ring de mort! Ah. Ça c'est ok, pas mal. Okay. Ah! Bon, merci pour la heal. Thank you for it. C'est le heal de MF qui m'a permis de faire ça, donc c'est cool. Tac, on va faire le Phantom Dancer. Il est où le Phantom Dancer? Il est là. Et derrière, en troisième item, on va faire la Ginzo. Oh! Dommage. S'il arrive à survivre 20 secondes, je peux TP. Mais ça a l'air compliqué pour lui. Il a encore le wall. Ouais, mais c'est pas dans le bon sens. Oula, oula le blanc. C'est absolument pas comme ça que tu dois gérer ce 1v1. Mais bon, on va dire qu'on arrive. Ok, vas-y, on va intervenir. Ok.
slow. Je pourrais pas voir Thresh du coup. C'est pas grave, on peut aller push derrière. J'ai envie de le dive. Okay. Ouais, ils sont récupérés un double buff là-dessus. Bon, on est bien. On a des bons dégâts, tout ce qu'il faut. Hop, bien, on va faire une close armor. On va se faire un rendu 1 et en dernier item, on fera un turn mail. On sera le dieu en fait. genre, le fait qu'il soit full AD, ça me donne vraiment une free win. Au niveau du stuff. Ça, il est toujours pas saté lui. Il est à combien? Plus 26. Ok. Après, c'est vrai qu'on a récupéré genre l'égide tous les drakes. Ouais. Salut. Salut. Ah, mais ils ont tous un flash quoi. Bordel de merde. Non, je peux pas l'avoir. Oh, c'est vrai. Ah oui, le dive. Moi, c'est pas War Seat, mais j'ai envie de le dive. Voilà, maintenant avec ce stuff, je pourrais daver les gens comme je veux. Genre là, les tours me feront plus de dégâts, je serai free. Alors en fait, je vois genre sur le chat, il y a pas mal de discussions au niveau du stuff. En fait, grosso modo, genre Ginzo sur Irelia, c'est juste beaucoup trop fort. En fait, c'est un petit peu la même réflexion que t'as avec... avec Kindred, c'est en mode t'as Ferveur qui se cumule avec Ginzo, qui se cumule avec le W, qui se cumule avec la Trinité. Enfin bref, t'as tous ces effets qui s'accumulent. Et le fait que tu montes très haut en attaque speed, c'est juste extrêmement fort en fait. Et genre la Ginzo, c'est un item qui est super intéressant Irelia. C'est un stuff qui est très orienté 1v1, tu vois. Genre en teamfight, il y a beaucoup mieux à faire que ce build là. Mais genre ça, c'est genre Ginzo, Trinité, genre en pur 1v1, tu fais pas mieux en fait sur Irelia. Genre c'est juste insane. Et si en plus derrière t'ajoutes le Photon Dancer, t'es juste le king en fait. Oula, par contre ça part. Ah, c'est pas bon du tout ça. Eh bien. Est-ce qu'on va devoir. Ouais, je pense qu'on va devoir faire une défense de Nashor. Après, on a MF et Brome, donc ça va le faire. On a le temps, il a pas encore commencé. No worries, man. Ok, je dis ça, putain, ils ont bien de défense. Ok, on en a eu un. Ok, fuck, bon, est mort. J'ai besoin qu'il switch d'aggro sur MF. Ok, nice. Fuck, on était absolument pas coordonnés là-dessus. On le tente. Nice.
Ah, il l'aura pas. Il sera un peu court. Ah, quoique. Oui, il l'a eu. Ok, pas mal. Après, Trina, son ultimate. Hein. Qu'il fasse gaffe, il y a Warwick qui va l'ultimate. Il va prendre un ultimate. Cours. Ouh, c'est chaud. Il a son ultimate. Mec, fais pas le fou. Mec, fais pas le fou. Bon, là, il a fait le fou. Yes, my friend. Bye. Non. No bueno. Je push. Bah si, très bueno. Apparemment, il est défense. Bon bah, on va push, hein, écoutez. Nice job, team. Ouais, j'ai push. Ouais, là, je partais pour prendre le rouge et derrière décaler en mid lane. Mais bah, du coup, on va push. Ouais, salut toi. Ouais, bon, t'as amené un pote. C'est pas cool ça. Ah putain, il a amené un pote en forêt. Je pensais qu'il venait me 1v1. Je pensais que c'était un bonhomme, mais en fait non. My bad. J'ai surestimé sa son côté masculin. Et on va courir plus vite. Ah! Ah bah non. Allez, pas de touche. Eh, salut à toi, Kenny. Ça va? Hein? Ah bah oui, ça oui. Je joue Irelia donc. Ok, tourne la botte. Ouais, le format de botte, bof. Moi je suis pas trop chaud les potes. Ok. Mais attends, mais il douille! D'où il douille autant lui? What? Ok, ça m'apprendra à faire le malin. Il faut vite lui mettre des CC les potes. Oh nice, c'est pas mal ça. Nice team. Bon bah, même sur Irelia, je suis en train de me faire porter donc. Ok. Ah, le Zonia, t'as le Zonia. Nice, bien joué, bien pensé au Zonia. Mais où est Lucienne dans l'histoire? Je crois que leur Lucienne a FK. Eh bien putain, il m'a défoncé l'anus, ce Warwick, holy fuck. Ça, je m'attendais pas à prendre autant Bagdan. Ah, en fait non, Lucien est là, c'est juste qu'il passe une game très sympathique. Voilà. Non, juste tu regardes les compositions, les ADC passent pas une super game. Ouais. ADC un rôle agréable, hein. C'est beaucoup de fun. On va push ça rapidement.
Ok, y'a pas Warwick. Holy shit, man. Putain, mais pourquoi c'est toujours une orgie au top? Ah! Ça devient gênant. Je suis vraiment en train de faire n'importe quoi. My bad, sorry. Gotta stop doing dog shit. Oh merde, il est en train de jeter la partie, putain. Yeah, yeah. Ouais, merde. Il doit passer une sacrée game. Dans 5 secondes, je peux t'aimer. Il a besoin d'aide ici. On reste autour de la meuf. Ok, Frankenstein. Où est les tempos? Condamné. Putain, fuck, tout le monde est mort. Bon, ouais, je prends les lignes du coup. Tu peux sauter sur moi? Not good. Oh, sérieux? Sérieux? Putain, j'étais sûr de l'avoir sur le bon timing, putain. J'ai essayé de faire, un petit pas, de, pas en avant pour esquiver le slow et je l'ai quand même pris, quoi. That was a bad idea. En effet. Bon, on aurait essayé pour le coup. C'est vrai que le Wukong, c'est archi fine. J'avais pas vu qu'il s'était fit comme ça, le Wukong. Pour moi, c'était un non-facteur. Mais en soi, il est pas si inutile que ça. Faut clean top, faudrait clean top pour pas qu'ils utilisent cette fat wave. Après j'ai greedy, j'ai greedy de ouf. Genre je voulais trop garder mes ressources pour tourner un V1. J'aurais dû juste rendre du 1 et derrière aller chercher les creeps. C'était greedy de ma part. Enfin, c'est pas grave, genre je voulais tenter. Bon, du coup on est full stuff, ça c'est une bonne chose. Ok, c'est bon. Nocturne a survécu. Ok, c'est pas mal pour nous ça. Nice. Ah oh, sérieux, je l'ai pas res. Ok. J'essaie de lui donner la vision sur le sien, mais... Là. C'est moi, je m'en fous, ça. Putain, j'ai vraiment envie d'aller chercher Thresh. Putain, il y a 400 HP. On est à 40 minutes de jeu, je vais pas forcer le plays. J'avais vraiment envie de le tenter, mais le risque est trop grand. Et je push ça et j'arrive pote. On push ça vite. On arrive bot.
Hop, est-ce que si je le vends, je peux avoir... Je crois que oui. Ouais, voilà, on va juste... Parfait. Vous savez, le Photon Dancer, en gros, je vais plus être dans une situation où je vais 1v1. Là, ma team, ma team va teamfight. Du coup, on va vendre le Photon Dancer. Et on va prendre le Frozen Heart. En fait, ça sert à rien que j'aille chercher les 1v1 dans le sens où on gagne les teamfights très largement. Surtout si je fais ce stuff. Attention, faut qu'il fasse gaffe, là il y a un Wukong 100%. Non! Ouais, ils ont pas fait gaffe. Si je voulais que je vous dise, moi genre. J'essaie de les prévenir, mais si personne n'écoute. En vrai, ce qui est bien, c'est qu'ils vont rien récupérer là-dessus. Bon, on va rentrer à pied. Hein. On pourrait pas trouver. Oh, Lucien est garé. Bon, ça a pas l'air. Bon, j'aurais essayé de les prévenir. J'aurais essayé de les prévenir avec 100 000 ping que le Wukong était forcément soit là, soit là. Ah non, pense, ça c'est dommage. Ça c'est fort dommage. Voilà pour ce que tout le monde. On met une blue trinket pour la pression. Vas-y, go go. Tiens, ça a bugué. Je sais pas si vous avez vu, j'ai eu le reset de mon Q alors que j'ai pas l'astite le mec avec. C'est un bug qui arrive souvent, c'est très bizarre comme bug. Je sais pas pourquoi ça fait ça. Bah du coup on a gagné la game. Ça fait une game forte, forte étrange. Non mais c'est bon, on peut aller finir s'il vous plaît. Voilà, genre, à un moment faut arrêter de se pisser dessus quoi. Vas-y. Eh bé, ce fut complexe hein. Après on a bien ruiné nos morts. Genre, il y a eu une période où on a ruiné comme un connard. Et bon ça va, on n'aura pas jeté la game au final.